Bonjour Mithilusia, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je viens ouvrir un nouveau vlog, on est mardi 20, si j'ai pas de conneries. Il est 7h, presque 40 je pense, je dis pas de bêtises. Et hier j'ai fermé le vlog de la semaine passée, j'avais complètement oublié. J'ai monté la vidéo, je l'ai pas... Elle est mise pour samedi sur YouTube, comme ça elle est prête et je suis tranquille avec ça. Et du coup, j'ai pas su vous faire un résumé de mon dernier. Ça fait un moment que je suis dessus. Je l'ai terminé, il me restait 10 pages hier soir. Du coup, j'ai terminé hier soir. Je sais pas comment ça se dit le nom. Voilà, je vous laisse. De Lou Marceau chez Hugo, de la collection Nous Romans. C'était un roman comédie romantique. Je le conseille pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. C'est un moment très chouette, un peu foufou dans ce livre. Je vous parlerai du résumé après. J'ai beaucoup apprécié les personnages, l'intrigue de tout ce qui se passe. On va suivre quatre copines. Qui vont partir entre filles en vacances. Ils vont se faire même un groupe pour se parler eux-mêmes. Du coup, on a une jeune fille, enfin une femme en couple, une autre enceinte. L'autre, elle vient de se faire larguer et l'autre, je ne sais plus. Voilà. Je sais qu'il y a Alexandra. Je ne sais plus tous les noms. Mais enfin, soit. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Ils vont partir en vacances. Il va se passer plein de choses. Ils vont citer la fille qui a longtemps. Je suis encore dans mon lit. Je me suis juste réveillée, déjeunée. Et je me suis remise dans mon lit pour. Je vous montre après, mais pour lire un petit peu. Et ils vont citer à la celle qui est célibataire, qui vient de se faire larguer, qui fait un peu j'en ai marre de mecs, les mecs ne vaut rien et tout ça. Ils vont la pousser un petit peu, ça fait un moment qu'elle est seule et qu'elle ne va plus vers eux. Et du coup, elles vont la citer un petit peu à pousser. Et c'est ce qui va se passer, elle va tomber sur un gars qui est DJ, mais ça je vous laisse aller le découvrir quand même. Et qui il va se passer plein de choses avec lui. Elle va passer quelques jours sans quitter sa chambre, mais ça il faut aller le lire pour en savoir plus. Et j'ai bien aimé ses copines qui vont l'aider à... parce qu'il y a un truc qui se passe à la fin. Et en plus on parle de oh comment ça s'appelle? Qui est par ici en plus. Oh, je sais plus le nom. Il y a de la musique, qui a plusieurs scènes. Je sais plus. Tourmentolang. Oh, je sais plus. Je ne sais plus. Enfin, soit. Et c'était très chouette. Il y a plein de choses dedans. Il y a plein de. Ça n'arrête pas. C'est une histoire très été. Ça se lit tout seul. Moi je l'ai fait traîner. C'est un petit peu pour ça, je pense que j'ai pas trop apprécié ma lecture, mais je pense que si je l'aurais lu sans m'arrêter, j'aurais beaucoup aimé. Ça aurait peut-être été un coup de cœur, mais là, c'est juste que j'ai bien aimé. Je pense que j'ai fait trop traîner depuis le mois d'août, je suis dessus, pour vous dire. Et voilà, mais ça se lit tout seul, ça c'est addictif. Quand vous êtes dedans, vous n'avez pas envie de le lâcher. Et ça fait 3 jours que je... Non, 3 jours, non. Parce que samedi j'ai pas lu le dimanche. Mais enfin je l'ai lu vendredi et j'ai envie de retourner dedans avec grand plaisir. Mais j'ai pas lu le crédit tout le week-end. Et hier ben, je l'ai terminé et j'étais très contente de l'avoir terminé. Enfin un livre pendant les vacances. J'ai lu presque rien du tout pendant les vacances. Voilà, du coup je suis contente de l'avoir terminé. Et en plus ça faisait un moment que j'ai dans ma palle parce que c'est un vieux dans ma palle. Voilà. On va dire que c'est un vieux dans ma palle. 2020, ouais, ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle. Un peu moins de 2 ans, mais voilà. Je suis contente. Et du coup, hier, j'ai eu une petite réception
que j'attendais avec impatience. Voilà. Je me suis pris, parce que j'ai regardé, en fait, j'avais le tome 2 dans ma pile. Du coup, je me dis à chaque fois, j'ai envie de le lire. Je peux pas parce que c'est pas le. C'est le tome 2, quoi. Du coup, je me suis pris le tome 1. Viens nous aimer de Morgane Moncomble chez Hugo Poche dans la collection Nous Romans. J'ai l'autre dans ma palle, mais ouais, je ne peux jamais le lire comme c'est celui-là qu'il faut lire en premier, si je ne dis pas de bêtises. Logiquement, oui. Et du coup, comme ça, je l'ai et je pourrais commencer ça. Voilà. Je ne vais pas parler de résumé parce que on vient, on s'aime, il y a plein de choses qu'on comprend là-dedans et il y en a beaucoup qui l'ont déjà lu. Du coup, voilà. Après, j'ai pris la dernière sortie, je crois qu'il sortait hier ou avant-hier. La date, il donne trop envie de lire, de chez Hugo dans la collection Nous Romans. C'est de Marjorie Sonia. Sonia. Nonam. Nonam, je sais pas comment ça se prononce, je vais pas dire de conneries. C'est la dernière parution de chez Hugo qui sort, je sais pas, c'est pas hier, avant-hier, je pense. Et la couverture, elle me donne très envie de le lire, mais c'est pas celui-là que j'ai commencé. C'est une nouvelle en plus que je viens d'avoir, que j'ai commencé hier soir. Du coup, ce sera pas celui-là, mais il va pas traîner non plus. Depuis 6 ans, je peux peut-être vous parler le résumé, comme je lis pas tout de suite. C'est quoi là, le truc qui dépasse, hein? D'accord, ils m'ont pillé la feuille. Regardez ça. Quand je vous dis, c'est super. Bon, enfin, soit. Alors, depuis 6 ans, Selena, l'ancienne catcheuse, est dans l'obligation de travailler pour le FBI. Oh, j'aurais dû commencer celle-là. Ses compétitions et les informations lui ont évité la prison. Ainsi. Son frère Elise, ses dernières missions avant d'être enfin libre de ses dettes, envers les fédéraux, prenons contact avec Elise pour faire tomber son patron, le chef de la mafia russe, Antoine. Roi, ne me plaisante pas avec le traîne. Le traîne. Encore moins ce qui se proche de lui. Quand Élise disparaît avec ses 4 millions de dollars, ce sont ses ex-maîtresses. Il ne peut pas les laisser passer l'offrande. Sans réagir, Céline et ses cibles tout choisies. Ce sera à elle de rembourser et elle servira d'otage. En attendant qu'il trouve le fugitif, je bave, mais c'est compter sans le charme de cette jeune femme qui ne le laissera pas indifférent. Un duo sensuel commencé entre la passion et les mensonges et la peur d'être démasquée. Célène devra choisir son camp, un double jeu, risque ou va vivre pour être en paix à payer. Pourrait être la prix à payer. Le prix à payer. Quand on rembourse les dettes, permet autant le plaisir que la drogue. Et c'est un dark roman. C'est un dark. Ce sera la première. Je sais pas si j'ai déjà lu un dark, mais ça me donne, il me donne envie. Je pense que il va pas. Je pense que je vais le lire peut-être après ma prochaine lecture. Après, je vous ai pris une. Je pense qu'il y a pas longtemps non plus est sorti, mais il me fait un peu peur parce qu'il est gros. Il est plus gros que. Je sais pas si on voit. Voilà. C'est de Fanfan Decker. Je sais pas comment ça se dit. Ping me fui. Je sais pas comment ça se dit le nom. Moi, l'anglais, c'est de. C'est Salva of Anten. Chez Hugo dans la collection roman.
C'est un roman comédie co romantique. Oh, bah. Mais il fait quand même. Oui, 638 pages. Du coup, on va lire la quatrième de couverture. En pause forcée, trahi, célèbre chanteur du groupe du rocker Sunfall, Wontik revient dans sa ville natale, abri passé par son quotidien sous son basé par les quotidiens sous les feux des projets, il revient Tiban, le père célibataire d'un adolescent de 12 ans lorsqu'il s'inscrit sur Pikmin. Il espère rencontrer annonciément une femme qui ne sera attirée ni par l'argent ni par les paillettes. Timidement, timide et handicapé par son bénaillement, Lisa s'est isolée dans un monde secret et épanouie. Parmi les casseroles et ses espatures, mais si elle accepte de dévoiler à son mystérieux compagnon sur le Pygme, elle regarde des distances pour se protéger, alors que les barrières héritées par Lisa semblent infranchissables. Thierry a la surprise de retrouver lors de l'atelier culinaire et y voit un signe indéfiniment qu'ils doivent présenter dans sa quête de rencontrer Nap prévu échanger visuellement qui de je veux dire le nom de la personne, j'arrive pas à le prononcer, où Lisa jouera le plus bel partenaire devant s'échanger pour s'aimer. Voilà. Je sais pas. Chez Hugo, c'est toujours écrit assez. Ah, c'est du texte, mais le texte il est bien écrit. C'est toujours bien. Mais il est bien épais. Et voilà. Je ne sais pas, franchement. Voilà. Pour ceux qui est là, il faut que je vous montre la quatrième. Qui regardera ce vlog, dites-moi dans les commentaires lequel je dois lire juste après celle que je vais vous montrer là maintenant. Est-ce que je lis La Dette? Est-ce que je lis Viens, on s'aime? Vous le marquez dans les commentaires. Ou Pic. Voilà, je vais pas le prononcer. Voilà, vous le marquez en commentaire. Et la quatrième couverture. Enfin, quatrième. Le quatrième que j'ai à vous montrer, logiquement, il y en a un qui doit arriver aujourd'hui. Mais je pense que vous ne le verrez pas aujourd'hui, mais plutôt demain. Il me tente aussi celui-là. Je pense que je vais le garder pour mois de décembre. Mois de décembre, j'ai déjà deux livres que j'ai envie de me faire. Oh, j'ai ma crolle. Alors, il va être 8h. J'entends les enfants qui sont en train de gueuler sur la rue. C'est horrible. Et je me suis pris. Je ne sais pas le prononcer non plus. Mais voilà. C'est Disney. Et je ne sais même pas, c'est Crystal. Starari, je sais pas comment ça se dit, chez Hachette et Rose, c'est toujours chez Hachette et Rose, chez Disney. J'aime beaucoup ce livre, vous voyez la couverture. Et en fait, j'ai hésité entre plusieurs livres hier pour lire. Je peux vous le montrer, comme ça vous le verrez. Je fais pause et je vais chercher. Me revoilà. En fait, j'hésitais hier avec celui-ci, Campus. Qui me tente beaucoup aussi. Et le dernier, l'avant-dernier arrivé, du coup, celui-ci. Du coup, celui-ci, c'est chez Hugo. Celui-là, j'étais sûre.
je ne sais pas le, je sais pas la maison d'édition, et celui-ci. Et du coup, celui qui a gagné, c'est celui-ci, parce qu'il me tendait trop, 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 trop. Et en fait, j'ai fait choisir à mon amie, et mon amie a choisi celle-là. Et je sais pourquoi, c'est parce qu'elle veut me le piquer après. Voilà, du coup, j'ai commencé ça hier soir. Hier soir, j'avais lu 16 pages. Et là, j'étais occupée à lire avant de vous prendre. Je suis arrivée à 20 pages. Je me dis, oh, j'ai envie d'en parler avant de trop aller trop loin dans l'histoire. Et de. Voilà. Du coup, je vais commencer celle-ci. Et ici, on va suivre Megan. Megan, je crois que ça se dit. Médisson. Médisson. Je sais pas ce que ça se dit. Je vais vous lire la quatrième de couverture. J'aurai plus facile. Voilà. Du coup, le nom de la personne, moi c'est Madison. Madison. Pour moi, c'est comme ça se dit, mais voilà. Grande rêveuse et fan inconditionnellement de Disney. Et Lani, étudiante studieuse et programmatique. J'ai mal mon pied, je sais pas comment me mettre. Sont des meilleurs amis. Improbable, mais elle fera tout l'un pour l'autre. Ainsi, lorsque la vie de Madison commence à s'affronter, Lana accepte d'accompagner pour tester le toute nouvelle édition de vacances de Disney à Happy Well. Voilà, une destination de vacances inversible où les adultes peuvent devenir leur personnage Disney préféré pendant une semaine. Alors, Madison sera Cendrillon. Toute sa vie, elle rêve de vivre comme une princesse de conte de fées. Lani, elle sera Mérida, mais elle n'a aucune intention de s'amuser. Intention de s'amuser, ouais. Pourtant, une fois sur l'île, rien ne passe comme prévu. Madison se retrouve en manque ou en gâche les intenses magiques. Pendant ce temps, Madison se retrouve inopiné n'importe dans cette magie à laquelle elle ne croyait pas et entame l'histoire d'amour secrète. Voilà. Avec l'amitié, la romance et toute leur vie d'adulte en jeu. Lani et Madison vivent une semaine pleine de rires et de larmes, allant bien là au-delà de la magie Disney. Voilà pour ce roman. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis trop trop fan. Celui-là, il va aller ailleurs. Et celui-là, ce sera mes lectures prochainement. Voilà. Mais j'ai trop envie de continuer ce livre-là. Je vais continuer jusque, je sais pas quelle heure il est maintenant, parce que maman, elle m'a lâché. Lâché! Il est presque 8 heures. Je vais continuer peut-être une demi-heure, une heure, ma lecture. Et puis je vais bouger mon cul. J'aimerais bien avancer, quoi. Parce qu'il fait que 326 pages. Donc j'aimerais bien l'avancer. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Parce que 18, presque de 19 minutes à vous parler de tous mes bouquins. Voilà. Dites-moi en commentaire, après quand j'ai fini celui-là, ce que je lis. J'aimerais bien le terminer. Début fin de semaine prochaine. Allez, je me mets. Normalement, je lis en une semaine. Je sais lire. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est très très compliqué. Comme je vous dis, celui-là, il m'a fallu un temps impertinent. Non, mais comme vous le savez, j'ai eu plein de petits problèmes dans ma vie dans ces derniers temps. Du coup, merde. Du coup, voilà la perte de mon bébé. Que j'ai eu et voilà les bouleversements dans ma vie. On a dû chercher tout de suite quand j'ai appris que j'étais enceinte, mais non, je l'ai perdu. Mais voilà, je suis toujours à la recherche, c'est pas ça, mais
à la recherche pour déménager et la façon de l'avoir perdu, j'ai du mal à accepter tout ça. Là, ça va beaucoup mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Je fais avec et voilà, je me suis. Il faut que je remonte la pente, j'ai pas le choix. Voilà, oh là là, je suis fatiguée. Et du coup, j'essaie de me replonger dans mes bouquins, ça va me faire du bien. Et comme c'est l'automne, je me dis que l'automne, c'est bien fait pour être cocooning au chaud dans son plaid et de bouquiner. Et en même temps, je voulais vous dire, avant de vous laisser, que j'ai aussi craqué pour le jeu Disney. Je sais plus le nom exactement, Disney. Nouveaux jeux qui viennent sortir. Du coup, je suis à fond dans Disney, le livre, le jeu. Et je ne quitte plus le jeu. C'est pour ça qu'hier, je ne vous ai pas parlé. Parce que hier, enfin, hier j'ai eu deux gros soucis que j'ai dû essayer de réparer. Et que je ne suis pas arrivée, mais je me suis réparée quand il est rentré. Mais j'ai dû ranger les dégâts que j'avais eus. J'ai fait mes machines, j'avais fait un peu de ménage au matin, j'étais très contente et je me dis après je vais jouer, j'avais fait ma vaisselle, j'avais fait sortir ma viande, j'étais occupée à mettre ma deuxième machine en route, je me dis maintenant je vais jouer dans que la machine se termine, j'avais fait d'autres choses hein, mais voilà je ne sais plus, j'ai dormi depuis du coup voilà j'avais déjà bien avancé et quand j'avais mis ma deuxième machine je me dis oh, maintenant je fais une pause, je vais aller jouer à Disney Dreamers, je sais plus quoi là, enfin soit. Je vous mettrai l'image si j'oublie pas au montage. Et ben en fait j'ai fait que ça depuis que monsieur me l'a. Enfin, nous on l'a pas acheté. Je l'ai eu. J'ai un mois gratuite. Voilà. Du coup, comme j'ai que un mois gratuit, je me mets à fond dans le jeu et la lecture, elle est un peu sur le côté. C'est pour ça que hier, j'avais pas terminé de la journée quand j'ai conclu ce vlog. Parce que hier, j'ai monté le vlog aussi. Ouais, c'est ça, j'ai monté le vlog en même temps que j'ai fait mes machines. Comme ça, c'est fait. Aujourd'hui, il faut que je remonte une vidéo pour vous demain. Ce vlog, vous le verrez dans 15 jours, mais il faudra que je monte les deux vidéo pour les mercredis, ce sera du Disney normalement, je pense. Oh, ouais, parce que vous avez déjà eu des cartes Pokémon, que vous aurez deux semaines d'affilée du Disney. Parce que maintenant je vais faire mercredi Disney, le samedi c'est le vlog, et entre si j'ai le courage de monter d'autres vidéos. Pour le moment, je fais deux vidéos semaine, c'est déjà pas mal. Si j'ai le courage, si je fais autre chose. Je vous montrerai le lundi matin, mais je pense que je fais deux vidéos mercredi et samedi. Je trouve que c'est un bon point de vue. Pourtant, dans les vlogs, je vous parle déjà de beaucoup de livres. Ici, je voudrais bien faire ma palle du printemps. C'est 21, je crois, le 20 printemps. Il faut que je regarde exactement. Et je voudrais bien faire ma palle du printemps, mettre tous les livres que je veux lire pour le printemps. Et voilà, après je vous ferai la palle de décembre. Mais là je vous en mettrai pas beaucoup. Parce que voilà, j'ai pas envie de mettre beaucoup de livres. Enfin, je mettrai dedans pour vous les montrer et je piocherai dedans. Voilà. Mais je sais pas encore, comme je sais que je vais en acheter le mois de décembre, c'est sûr et certain. Voilà. Et voilà, sur ce, ben moi je n'ai rien d'autre à vous dire et je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour la suite de ce vlog ou tantôt si j'arrive à voir le livre qui doit arriver. Mais sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonjour mes tulisseurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui j'ai fait plein de choses, du coup je vous ai pas revenu. Je pense que je vous ai même pas pris hier. Parce que hier j'ai fait un petit peu de ménage à la maison. Même s'il faut que je continue. Là je viens de défaire mon lit. Enfin, le changeur va laisser aérer un petit peu. Je referai tantôt avec monsieur avant d'aller se mettre sur le lit pour continuer mes lectures. Du coup, je vous reprends pour vous parler. Je vous ai même pas dit, on est jeudi 22 septembre. Le vlog fera en 2 semaines. Je pense que je vais faire comme ça, j'aurai plus facile pour moi. Mais je pense que samedi, il y a un truc. Non, dimanche, je ne vous reprendrai pas dans ce vlog, mais vous aurez un autre vlog. Peut-être
que je vous mettrai, je ne sais pas quand, quand je l'aurai monté. Et, enfin, déjà, il faut le tourner. Mais quand je l'aurai monté juste après, ce sera de la semaine, je le montrerai certainement. Mais je vais à la Mia à Bruxelles et je pense vloguer. Mais je ne sais pas si je le montrerai le lundi ou je sais pas. Je peux pas vous dire si je sais le monter directement de la semaine qui va suivre ou la semaine d'après. De toute façon, vous l'aurez. Je vais essayer de le faire au plus vite quand même. Là, je vous suis en train de faire. Enfin, c'est en train de se uploader la vidéo que vous aurez certainement demain si j'arrive à la mettre sur YouTube. La pâle du printemps, parce que c'est demain le printemps. Printemps. C'est pas le printemps. C'est l'automne. Pourquoi j'ai mis printemps? C'est l'automne. Je suis blonde. C'est pas grave, on changera le titre. Mais je le dis du printemps. Je vais devoir modifier ça. Je me suis trompée. Bah, il faut que annule et je vais aller au début et recommencer le début de la vidéo du coup. C'est pas grave, de toute façon ici je reviens dans le vlog, je vais vite vous parler de mes lectures. Hier j'ai, comme j'ai dû travailler, je me suis mis à l'écoute, ici je suis au chapitre 12, 189 pages, mais je crois que je suis presque au 13, de Rose éternelle du Ophélie du chemin. J'aime beaucoup l'histoire, c'est pas du tout l'histoire qu'on connaît, c'est une réécriture de la bête et la belle, c'est pas du tout ça. Vous connaissez l'histoire principale, c'est que la bête va sauver, enfin la belle va sauver son père. Ici c'est pas du tout ça, c'est réadapté et j'aime beaucoup la façon que c'est amené. Le seul truc que j'ai un petit peu dur, comme c'est de la fantaisie je pense, il y a beaucoup 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 de choses que je pense qu'on pourrait zapper. Mais même ça fait l'histoire, hein, c'est pas ça. Mais moi je pense qu'il y a trop de petits détails qu'on devrait. Voilà. J'aime bien que les gens aiment beaucoup les détails, mais moi je suis moins fan. Voilà, il y a beaucoup. On va savoir quelle robe elle est. C'est trop. Pour moi c'est un peu trop, mais j'aime beaucoup l'histoire quand même. Je passe un bon moment dans cette lecture. J'espère que vous n'entendez pas trop le camion qui passe. Parce que mes fenêtres sont ouvertes, mais je commence à avoir froid, je vais bientôt refermer. J'aime beaucoup l'histoire et j'aimerais le terminer. Il me reste ça à l'écoute. J'ai pas encore beaucoup, mais je voudrais bien le continuer. Mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Peut-être demain, je vais me le faire en l'écoute. Voilà. Demain, toute la matinée, je pourrais me le faire. Ce serait une grosse partie de. Je pense que demain, c'est ce que je vais me faire. Et j'ai continué à Piu vers. Vous voyez le titre Disney. Là, j'ai bien avancé. Je suis à 72. Enfin, bien avancé. Je suis à 72. 72 ou 73? 72 pages. J'ai lu un petit peu hier soir. Puis, monsieur a voulu regarder un film. J'avance doucement. Mais j'aime beaucoup cette histoire. On va retrouver. Je sais plus son nom à cette jeu. Lani. Qui va gagner un concours Disney. Et qui va. C'est pour aller. Oh, vous bougez. Pourquoi vous bougez comme ça tout le temps? Allez, vous êtes trop lourd. Je vous avais dit, vous êtes trop lourd. Faut perdre du poids. Mon téléphone ne veut pas rester aujourd'hui. Oups là! Il y aura du montage à faire. On va pouvoir bouger. J'aime beaucoup l'histoire de ces personnages qu'on suit. Qui veut incarner Cendrillon et sa copine Méridia. Qui va postuler pour. C'est postuler ou gagner un concours, je ne sais plus. Je suis fatiguée du montage vidéo. Et ben, j'ai déjà fait plein de choses. Du coup, j'aime beaucoup. Je vous conseille de le lire pour ceux qui aiment fan de Disney. Moi, ça me fait chier parce que là, il y a une pète. Vous voyez le pète là? Ça m'énerve pour la bibliothèque, quoi. J'aime beaucoup le château là. Il est beau. Et je ne l'ai pas vu nulle part. C'est pour ça que je le lis et je vous le montre parce que il faut absolument que vous le découvriez. Jusque maintenant, j'aime beaucoup. C'est, je pense, qu'il va vers un coup de cœur, plus qu'à une bonne lecture. Je pense qu'il part sur un coup de cœur. Et c'est la première fois. Enfin, j'ai eu ça avec Rose, c'est Rose Rebelle. J'essaierai de vous mettre la photo, le livre que j'ai lu. C'est la suite de je ne sais plus quoi. Et quand je l'ai eu en main, j'avais trop envie de lire. Et celui-ci aussi, il est arrivé. Et j'ai terminé mon livre. Et j'avais trop envie de me plonger dedans. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'arrive pas souvent, mais voilà. Et pour le moment, j'aime beaucoup. Voilà. Et voilà.
c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais finir du coup le montage d'automne et pas du printemps. Merci de me rappeler. Heureusement que vous êtes là quand même. Et voilà, je vais aller finir de m'habiller parce que mon chéri va avoir fini bientôt. Et je vais aller déposer mon lit chez ma mamie parce que je n'ai pas de place pour le faire sécher. Et du coup, elle va le laver et le faire sécher en même temps. S'il fait bon, elle sait le mettre dehors. Moi, j'ai pas de jardin, du coup, voilà, c'est plus facile pour moi. Comme les essuies, que je lui donne aussi. Parce que j'aime bien les essuyer passer au séchoir. Moi, j'en ai pas. Et du coup, ils sont plus doux et ils sont plus. Voilà. Et du coup, celle qui me les lave et qui me les passe au séchoir. Voilà. J'ai des petits cheveux partout. Faut que je lave mes cheveux. Moi, j'attends demain pour les laver. Pour être propre du week-end. Enfin, propre. Propre cheveux du week-end. Voilà. Et comme demain, je vais encore bien transpirer, je pense. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vais. Couper le début de la vidéo et recouper un petit bout ici. Je vais faire un mishmash. Voilà. Donc ça, je vous laisse et je vous retrouverai plus tard dans le vlog. Je vous dis gros bisous bisous. Bonjour tout ça, j'espère que vous allez bien. Moi très bien. Je viens ouvrir un vlog. Je vous ai oublié hier. Du coup, je viens l'ouvrir aujourd'hui. Là maintenant, enfin aujourd'hui, il est déjà tard. Je sais pas comment mettre, ça se voit je pense. On est le mardi 4, si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, 4 octobre. Et j'ai plein de choses à vous dire, mais je pense que je vous en dirai plus demain. Voilà, parce que il est déjà, je sais pas quelle heure il est, tard, enfin tard, 19, enfin 20h15. Et voilà, je viens d'ouvrir le vlog, vous montrer ma lecture en cours. J'ai presque fini, j'en suis là. Il me reste cette partie là à lire. J'aimerais bien lire aujourd'hui et si j'ai pas fini demain matin, comme je me lève tôt, voilà. Et je vous en parlerai d'autres choses. J'ai plein d'autres choses à vous parler. J'espère que vous allez bien quand vous regarderez ce vlog. Moi, je suis enrhumée, ça s'entend peut-être. Je parle dans mon lit. Il y a ma fille qui veut monter dans le lit, bien sûr. Hop là, je la monte. Parce que là, je suis en pyjama. J'allais aller sur le lit pour bouquiner. Du coup, voilà, je vous montre là la grosse palle. Enfin, c'est ma palle. Enfin, une partie, c'est ma palle du mois d'octobre. Que ça, je peux vous montrer si ça vous dit. Ça, non, c'est pas ma palle. Faut que je fasse aussi l'agenda. Ça, c'est le truc que je dois vous parler demain. Du coup, dans la palle du mois d'octobre, j'ai mis celle-ci. Je vous les montre, je ne vais pas trop en parler. Avec mon nez encombré. J'aimerais bien parce que le tome 2 sort bientôt. Voilà, après. Je pensais faire une lecture commune sur les Minecoins, mais je sais pas si ça va se faire. Je la mets là en attendant, mais elle n'est pas prévue pour le mois d'octobre. Enfin, si, elle était prévue, mais pas dans ma palle. J'ai mis celle-ci, que j'aimerais bien lire, parce que ça fait un moment, vous voyez pas, mais avec cette lumière tout dégueulasse. Là, il est tout jaune, ça fait un moment que je l'ai, du coup, je voudrais bien lire. Je l'ai 3 tomes en plus dans ma palle. Voilà, j'aimerais bien lire le colloque de l'enfer chez Colin, Harper Colin. Bon, c'est un petit que mon amie Mariette m'avait offert. Voilà. Après, j'avais mis un petit graphique. Enfin, voilà. C'est le tome 2 de Trull. Trull, je sais pas comment ça se dit. Boti. Voilà, c'est le tome 2 de chez Kaboom que j'aimerais bien lire aussi ce mois-ci. Mais ça va être déjà foutu parce que je suis en retard dans mes lectures, hein, je vous le dis. Hein. Et j'avais Basket Roll, l'intégrale. Il n'y a pas de maison d'édition, je crois que c'est un auto-édité. Voilà, que j'aimerais bien lire aussi. Mais j'avais commencé celle-ci fin du mois de septembre et je suis toujours dedans. J'aimerais bien la terminer. Voilà, du coup, je suis déjà en retard parce que j'ai rien lu de ma palle du mois d'octobre déjà. Voilà. Du coup, je suis déjà en retard dans ça. Voilà. Et ouais, à part ça, j'ai pas grand-chose à vous dire. Je suis fatiguée de ce rhume. Je l'ai depuis hier. Monsieur l'a eu avant moi, mais voilà, comme toujours. Aujourd'hui, j'ai été me promener avec ma mamie. Enfin, j'étais à Cora.
Je vous en parlerai aussi demain. J'étais à Cora pour faire deux, trois petites courses. Enfin, j'ai déposé mon bracelet Pandora pour le nettoyer. Et ma mamie m'a fait un petit cadeau. Je vous le montrerai demain. Parce que là, il est par là. Et avec la lumière pas belle, je pense que vous verrez pas. Voilà. Du coup, je vous montrerai tout ça demain. Ouais, c'est tout. J'ai mes chocolats. Chut, on peut pas lire. Voilà, ben je vous comprendrai demain et on briefera tout ça. J'ai plein de choses à vous dire, mais au moins ce vlog c'est ouvert et ça me motivera demain matin de vous prendre juste après avoir été apprêtée, habillée et je vous parle de tout ça. Voilà, j'espère que vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si c'est pas déjà fait, un petit pouce pour ce vlog. Voilà. Et moi, je vous laisse et je vous reprends demain matin. Et c'est sûr. Sauf que ce, je vous fais des bisous et je vous retrouve à demain. Bonjour mes petites sucettes, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est le 5 octobre. Il est très tôt. Il est 6h15. J'ai la tête dans le cul. Mais c'est pas grave. Il y a une demi-heure que je suis levée. C'est dur, j'étais occupée à déjeuner et ben, je vais vous reprendre là pour vous parler comme je vous ai dit hier. J'ai quelques petits trucs à vous montrer. J'ai pas terminé mon livre, il reste 26 pages à terminer de mon livre d'hier. Voilà, si je vous le mets à l'endroit, ce sera mieux. Il me reste que 26 pages à lire et hier, monsieur est arrivé dans le lit. Il me reste vraiment, vraiment petit. Et me c'est arrivé et il m'a embêté. Du coup, j'ai pas su lire mes 26 pages. Je dis, laisse-moi lire les 26 pages. Non. Voilà. Et du coup, il me reste les 26 pages à lire. C'est ce que je vais faire après de vous avoir parlé. Comme ça, je pense que quand je reviendrai, je vous en parlerai plus en profondeur dans ce vlog. Voilà. Enfin, je sais pas si je serai rentrée. Ah oui, j'ai pas pris mon petit sac. Attendez, je reviens, je vais chercher mon petit sac. Non, ça c'était. Je fais une bêtise. Me revoilà. Du coup, je vais vous montrer tout ce qu'il y a en dehors des livres en premier. Du coup, j'ai eu un petit cadeau hier de ma mamie, un petit Pandora. Je suis partie laver mon bracelet. Je ne l'ai pas avec. Il est chez Pandora pour le moment pour être lavé. Et il y avait 20% sur tout ce qui est bracelet et tout ça. Et du coup, je me suis. Enfin, ma mamie m'a pris. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ces petits ticrous. On le voit pas trop bien, mais c'est tigrou avec une fleur en main. Je le trouve trop mignon, je suis trop contente. Du coup, voilà. Après, j'ai voulu aller au magasin des livres moins chers, mais il n'était pas ouvert. Du coup, je suis pochée chez Action. Chez Action, je me suis pris un calendrier de l'Avent. C'est quoi? Le clou? En fait, c'est des bonbons. Loco, loco. Voilà. Ce sera pour moi décembre. Voilà. Je me suis pris. J'étais chez Yves Rocher. Et vous savez ce qu'il y a pour le moment chez Yves Rocher? Le calendrier de l'Avent. Je sais pas s'il a l'endroit. Ouais. Et je le trouve trop mignon en plus. Du coup, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je veux pas envie de découvrir. Mais je trouve trop beau. On l'ouvre. Hop, comme ceci. Il sent bon en tout cas. Hop. Il souffle comme ça. Voilà. Après, je n'ai pas regardé comment c'était. On verra ça le 20. Enfin, au mois de décembre. Ouais, je ne vous dis même pas le 1. Oh, c'est une toute petite case le 1. Ah ouais, ça se passe comme ça. En fait, c'est des longs paquets. Des longs, des petits. Ça, c'est la cassette. C'est un long bazar. Je vais pas lire parce qu'il y a tout marqué sur les boîtes. Du coup, je vais pas lire, mais je trouvais ça trop mignon. Et il est avec la promo, c'est 44 euros. Du coup, je me dis, ce serait une bonne affaire pour ouvrir au mois de décembre. Voilà. On commence déjà les calendriers de l'Avent chez moi. Et ça. Et les bonbons. J'en prendrai d'autres, hein, mais. Pour le moment, j'ai déjà ceux-là. Après, j'étais chez Action.
Voilà, je me suis pris des carnets, comme vous pouvez voir. J'ai même pas qu'un. Je me suis pris celui-ci, je l'aime beaucoup. Bon, ça fera retirer. C'est un bullet journal avec des stickers. Mais je trouve trop mignon. Voilà. Et il y a un élastique. Vous l'attachez. Hop. Du coup, les stickers. Et il se trouve comme ça dedans. Des stickers. Bon. Il y a deux palettes de stickers. Voilà. Ah, ça c'est jour de pochette, je pense. Et puis il se retrouve comme ça, c'est des points. Voilà. Je trouvais ça trop mignon. Du coup, j'en ai pris un. Un comme ça. Ah, ben, j'ai pris la deuxième avec des petits cœurs. Je pensais pas que j'avais pris le deuxième. Je pensais que j'en avais pris qu'un. Sauf que là, les stickers, c'est d'autres couleurs. La pochette est rose. Voilà. Les stickers, ce qu'on a. Voilà. Et puis, bah, c'est des points aussi. Hein. C'est tout des points. Il n'y a rien d'autre, je regardais, mais non. Vous avez... Je sais pas, 80 stickers. Ça me paie peu. Et puis je me suis pris deux autres bullettes. C'est noir. Je sais pas si vous allez voir. Là, vous allez peut-être voir. Il y a deux, trois petites étoiles. C'est simple. Ils sont faciles. Et c'est ligné. J'aime beaucoup cela. C'est juste ligné. Voilà. Je l'ai pris en noir. Et je l'ai pris en turquoise. Avec, ils ont la petite ficelle. Que je vais rentrer. Hop. Voilà. Il est en turquoise et là c'est un petit palmier. Ah, vous verrez pas là, on voit un petit peu. Voilà. Et c'est ligné dedans. Et il y a 160 pages. Et les pages font 14,8 × 21 cm. Voilà, si ça vous intéresse. Ils sont vraiment pas chers chez Axon. J'ai pris un sac réutilisable, il est 99 cents. Bullet. Je sais pas c'est lesquels. Bullet journal, c'est 2,50. Le calendrier de l'avant bonbon, c'est 7,98. Bullet journal que je vous ai montré avant avec les petits cœurs celui-là. Et les girafes, c'est. Oh, je vais éternuer. Je viens de le voir, merde. 2,59. Enfin, c'est 2,59. C'est toujours 2, mais avec quelque chose derrière. Voilà. Voilà. À part mes slips que... slips que j'ai pris qui étaient un peu plus chers, mais à part ça... voilà. Ben, du coup, je vous ai tout montré, mes bullettes, les deux trucs... Mon Pandora, je vous l'ai montré. Ben, on va entamer avec les livres que j'ai reçus hier. Il faut que je me mouche, je reviens. Me revoilà. Du coup, on va parler vraiment de livres maintenant. Je me suis mouchée, ça va beaucoup mieux. Du coup, je me suis pris celui-là parce qu'il était à petit prix. Je vais vous montrer la couverture et le titre. Parce que voilà. Je ne vais pas faire de bêtises en parlant la langue. C'est de Audrey Alba. C'est chez HarperCollins, un petit prix, prix mini, 4,99. Du coup, je me suis pris. Je vais vous lire la quatrième de couverture, ce sera plus facile. Il a été au paradis. Il est devenu son enfer. Quand Catalina, j'arriverai. C'est le matin, il faut me perdre. Il est 6h du matin. Est décidé de vivre dans la maison. Elle est retournée vivre dans sa maison de son enfance. Pour prendre soin de son père, elle se doutait que ce moment arriverait. Pourtant, rien n'aurait pu la préparer à revoir Naël. Et encore moins à
affronter son regard plein de haine malgré les 10 ans qui se sont découlés depuis leur séparation. Retrouver celui qui a été le centre du monde l'a profondément bouleversé. Car si sa tignasse rebelle et son petit air insolent lui font toujours le même effet, Catalina l'a trouvé changé avec son visage. Manquer son air dur et tout nouveau tatouage, cet homme est plus le Naël qu'elle a connu. Alors, pourquoi arrive-t-elle à faire taire cette petite voix, celle qui lui souffre aujourd'hui encore? Il est le seul à pouvoir ramener son cœur à la vie. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que ça me tente bien. Une petite relation d'avant, elle revient vivre dans ces trucs. J'aime beaucoup, et puis à petit prix. C'est toujours bien quand c'est à petit prix. Du coup, voilà. Après, je vais vous montrer celui-là. Il est gros, celui-là. Il est trop gros. C'est « Et je t'ai entendu sourire » de Tina Wolf. C'est marqué roman, mais je sais pas si c'est dans la collection roman. Enfin, ouais. Pour moi, c'est un non-audité. Enfin, vous avez compris. Je ne vois pas là. Mais il a l'air trop bien aussi, celui-là. Et j'aime beaucoup la couverture. C'est simple, avec un dos. Voilà. Même l'arrière. Enfin, tout est bien. Du coup, je vous lis la quatrième de couverture. Après avoir eu la force de mettre fin à une relation toxique, Lucie s'envole vers New York pour rencontrer son agent littéraire et passer quelques semaines loin de sa vie parisienne. C'est chouette, ça. Cependant, claquer la porte ne suffit pas à guérir les blessures du passé. Alors, quand son chemin croise celui d'Andouane, un photographe reporter qui parcourt le monde sans relâche, c'est trop tôt. Beaucoup trop tôt. Leur relation va être marquée par ce fantôme que Lucie pensait avoir laissé derrière elle. En noir et blanc, dans ses fiches clichés, à lui en couleur, dans les mots et à elle, leur histoire va évoluer au fil des années. Lucie va apprendre à faire confiance et à se reconstruire à son rythme malgré leur éprouve. Voilà. Une déclaration d'amour qui évoque l'importance de prendre du temps pour se réapproprier sa vie et guérir de ses blessures. J'aime beaucoup cette histoire parce que pour moi, quand je lis ce truc, elle va pas se mettre directement en couple avec l'autre personne qu'elle a rencontré. Et je trouve ça vraiment bien parce que il y a des histoires où ils sont mal enfin elles se séparent et 2 chapitres plus tard ils sont ensemble, quoi. Ici ça n'a pas l'air. J'aime beaucoup aussi. Regardez. Je peux pas l'ouvrir plus. Parce que moi, je casse le dos. Je vais devoir peut-être casser le dos à celui-ci. J'ai peur. On verra bien. C'est écrit quand même grand. Voilà. Il fait, je sais pas combien de pages. 419, si je vois bien. Voilà. Ah, je crois que je n'ai même pas rentré dans mon téléphone. Et puis, j'ai pris un autre. Il est tout petit, celui-là. Je pensais pas. C'est... Book White French, j'espère que je le dis bien. Claire Cassel, chez collection Romance Passion, chez Infinity, mais c'est chez MM Bookmark. Je trouve la couverture trop belle, à part encore une fois, c'est un homme sur la couverture. C'est écrit quand même petit gros,
bien quand même, mais parfait. Du coup, je vous lis la quatrième de couve. Je vous ai mis là, du coup. Je vous lis la quatrième de couve. Celui-là, il est très long. Du coup, voilà. Mentir à Mia ne faisait pas partie du plan. Écrire un roman sous un pseudo féminin ou non plus. Du coup, vous comprenez pourquoi je l'ai pris? Parce que ça parle de roman. Du coup, là. Mia, Alex Waxon, est sans doute, le petit ami le plus sexy de l'univers. Drôle, romantique, positive, sexy, de quoi faire parier les héros de ce roman. Et cerise sur le gâteau, il existe en vrai. En vrai. Pour une fille comme moi, traduction, la fille un peu gauche, au nez toujours fourré dans les bouquins, Alex est un rêveur devenu réalité, un fantasme tout droit sorti de mes romans favoris. Notre relation est de celle de ceux et de celles qui existent entre les pages. Ce livre, et je ne peux imposer de ne demander si nous nous dirigeons vers votre propre fin heureuse. Et si, ou si Alex est trop beau pour être vrai. Alex. Voilà le topo. Je me suis un sale type et mentir à Mia m'a jamais fait partie du plan. Rencontrer le succès en tant qu'autrice de romans non plus. Mais parfois la vie prend un tournant inattendu comme lorsque se rendre compte que la femme dont tombe amoureux est fait votre meilleure amie en âme sœur. Viruelle, en verrue. Je vais plus savoir parler moi aujourd'hui. Sur le toit, je l'appelle Alexis. Je suis autrice et Mia me prend pour une femme dans la vraie vie. Elle sait que je suis un homme. Je la désire et je rêve de lui faire mine tout entière. Mais si elle découvre la vérité, je pourrais bien tout perdre. Voilà. Et c'est le premier tome. C'est un tome 1. Là, il est marqué 1. Et là aussi, tome 1. Il faut chercher chez eux. Hein. Voilà. La petite phrase que j'aurais pu vous lire, c'est ça. C'est mentir à Mia ne faisait pas partie du plan. Écrire un roman à succès sous un pseudo féminin non plus. C'est un homme qui se fait passer pour une femme. Ça a l'air pas mal. Voilà. Et il fait 244 pages. Du coup, il me tente trop. Je pense que je vais le lire. Il va pas traîner dans ma palle. Voilà. Et du coup, ben moi je vais vous laisser. Parce que ça fait 17 minutes que je vous parle. Je vais lire mes 17. Ouais. Je suis à 301 et il fait 320. 326, voilà. Du coup, je vais aller lire ça. Et si j'ai fini avant de partir, je vous en parle. Si j'ai pas fini, enfin, si j'ai fini et que je dois partir, ben, je reviendrai vous en parler tantôt. Du coup, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Bonjour, mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog où on est mercredi, non, jeudi. Oui, jeudi 6. Octobre. Dans 6 jours, c'est mon anniversaire, pour ceux qui ne le savent pas encore. Voilà, j'avais dit que je revenais hier dans le vlog, mais j'ai eu un petit souci hier. Je vais, comme je vous ai dit au matin, je voulais finir mes 26 pages de mon livre, sauf que j'ai lu 20 pages, il m'en restait 6 hier quand je suis partie à un petit peu avant 8 h. Et du coup, quand je suis rentrée, j'étais vraiment mais cassée, fatiguée, j'étais vraiment à l'ouest. Du coup, je me suis reposée quand je suis rentrée qui était 2 heures.
Donc je me suis reposée une demi-heure et puis j'ai monsieur qui est rentré, qui a mangé à côté de moi et on a discuté un petit peu. Et puis j'ai lu mes 6 pages et j'ai pas envie de vous reprendre, j'avais une tête affreuse. Du coup, je vais vous parler de ma lecture terminée. Il faut que je la rentre encore dans Livrement Addict et tout ça, tout ça. Je pourrais peut-être le faire avec vous, comme ça je pourrais vous en parler un peu plus en même temps. Non, livre, c'est BookNote que je veux. Que là on sait savoir. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, du coup on va suivre d'addition, d'anine, je sais pas comment on dit, d'anine, je pense. Que. Déplacé en je vais mettre en ligne d'or parce que c'est une bonne lecture. Voilà, du coup la je vous parlerai de l'intrigue après. Globalité, je lui mets un 9 parce que j'ai bien aimé. Voilà, l'écriture, je mets 10 parce que ça se lit tout seul, c'est fluide, c'est. Il n'y a pas de chichi, on ne voit pas se casser la tête à réfléchir. L'écriture est fluide, pas trop compliquée à comprendre. C'est vraiment. Je sais même pas pour quel âge, mais n'importe quel âge, je pense qu'on peut le lire du coup. C'est vraiment. Excusez-moi. L'originalité, je pense que. Jusque maintenant que j'ai lu, que je lis les. Oh, je suis coincée. Que je lis les romans, j'en ai jamais connu. Du coup, je vais mettre 9 parce que je veux pas mettre 10. Parce que je pense qu'il manque un tout petit peu. Quelques petits points, je pense. Pour qu'ils soient encore mieux. Mais en ce moment, il est déjà vraiment pas mal. Pédagogie. Je vais mettre 8. Voilà, c'est mon avis à moi. Mais c'était un beau, très bon livre. Les personnages, j'ai adoré les personnages, je mets 10. L'humour, il n'y en a pas vraiment. J'ai pas rigolé dans ce livre. Du coup, je vais mettre 8. La créativité, je mets 9. Parce que c'est sur Disney. Il y a de la magie, il y a. L'histoire que on veut connaître, savoir. Moi, j'ai beaucoup apprécié la créativité des personnages. On suit pas parce que ici, on va en fait vous suivez deux personnages qui adorent, enfin deux personnages, je sais plus leur nom, enfin soit deux personnes qu'on adore adore Disney. Sauf qu'on va, ils vont rentrer dans leur personnage de princesse. Qu'ils adorent. Une c'est Mérida et l'autre c'est Cendrillon. Et c'est celle qu'on suit plus de Cendrillon. Et à un moment on va aller dans les coulisses de ce qui va se passer. Et ça c'est bien parce qu'il n'y a pas que l'histoire. Voilà, il y a un peu, un tout petit peu de romance mais vraiment léger. Du coup je vais mettre 9. Suspense, il n'y en a pas trop. Je mets 8. Et le scénario, je mets 9. Du coup, voilà, je valide. Je n'ai rien marqué comme commentaire. Retourner. Du coup, il y a une évaluation de 9 sur 10. C'est vraiment une bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. C'est quelque chose que vous pouvez lire. Je pense que. Y a pas de problème, y a tout petit peu. Mais il n'y a pas de cucu. C'est juste une petite romance. Il va tomber amoureux, enfin, ils vont tomber amoureux d'un Casmember, voilà. Mais c'est tout quoi. La relation, elle se, c'est tout doucement, c'est vraiment tout doux. C'est comme une relation d'enfant en fait. Ils se tiennent la main pour la première fois et voilà, c'est trop mignon et voilà. Et en plus, il y a une petite leçon de morale parce que la fille qu'on suit. Elle ne travaille pas avant d'arriver à Disney et elle ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie. Et quand elle arrive là-bas, elle fait tout ce qu'il faut faire. Elle suit à la lettre
Voilà. Et à la fin du roman, on a une petite truc qu'elle dit, j'ai trouvé ma voie, ma vocation. Et voilà. Et du coup, je vous laisserai découvrir, mais j'ai bien aimé. Du coup, moi, je vous laisse le découvrir. Voilà. Bon, voilà. Je suis contente de ma lecture. Là, je l'ai marqué fini. Parce que là, il n'y a pas. Et là, je vais mettre. Voilà. Oh, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui l'ont lu. Il hein, y en a deux. Il y a. Non, il n'y a pas de. Alors, possède 3, en cours 0. Enfin, non, lu 3. Wishlish possède 7. Non possédé 21. Et tous 28. Alors, au total, ça fait 28. Abandonné personne. Non lu 2. Ouais. Et total possédé 12. Non possédé 21. Fait 33 au total. Voilà, mais il faut absolument que vous lisiez si vous êtes fan de Disney. Voilà. Je ne veux pas trop vous en parler parce que j'ai envie de vraiment que vous le découvriez. Et puis, hier, je me suis fait deux petits achats en allant en France. Je me suis pris celui-ci que je vous laisse lire le nom. Enfin, le. Et c'est de Alice Garnier. Voilà, chez HarperCollins Poche. Je ne sais plus. Les règles sont faites pour briser, alors que la carrière de Galarité, la galère démarre en pleine down, rencontre l'homme idéal, celui qui va l'aimer, la faire ressentir unique et combler tout ce qu'on a attendu. Sauf que on trouve l'amour, elle a l'impression d'avoir perdu Garaté, son. C'est des noms archi bizarres. Son meilleur ami, celui qui a grandi à ses côtés, qui partageait avec elle le goût du changer de Paris, insensé, et qui lui apporte le brise de la folie, qui donnera le sens à sa vie. Garrett, c'est ça, c'est Garrett. N'en reviens pas. Dan, un couple avec ce type, monsieur parfait, a beau cocher toutes les cases, il n'est pas la moindre idée du diamant brut que. Qu'est-ce que ça, meilleur ami? Mais si Dan ne doit pas que ce type est fade et banal, que peut-il lui faire? Rien à part trouver lui aussi une copine parfaite à qui causerait Dan la même peine que celle qu'il ressent, car tout ça est un jeu. Non, voilà. Ça a l'air un peu. On verra ce que ça donne. Celui-là, par contre, je sais pas si vous allez voir. Il est digéré pas bien là. Du coup, je vous laisse lire la couverture. C'est Liane. Chez HarperCollins, c'est un beau bébé aussi celui-là. Dans la ténèbres vont-ils s'aimer? Jada Black est un homme à cœur aussi sombre que son nom. Ce n'est pas pour rien qu'on leur surnomme Sand Killer, soupçonne de meurtre et habite épris. Sondettement, il se raccroche à la vie grâce à la musique et à son groupe Manus, qui lui permet de canaliser sa douleur et sa rage. Il sait qu'il doit faire profit bas. Il veut garder sa place de chanteur, mais quand son ménage informe qu'une inconnue a été embauchée pour composer un nouvel album, il ne peut s'accepter. Et pour se débarrasser de cette opportunité, tatouer le cheveu mauve et un caractère indomptable, il est prêt à tout. Iris Lance ne croit pas à sa chance. Elle va travailler sur l'album de Manas. Manas.
Je suis perdue maintenant. Ah! Va travailler sur l'album. Après tout ce qu'elle a traversé, la route semble enfin tourner pour la jeune femme. Peintatis? Bien sûr, elle va devoir supporter Baja Noir. Cet enfoiré est le pire, j'espère qu'il a un sérieux problème avec les femmes et les mots pex. Mais elle en a met le plus corrigeage de Jan n'a aucune idée de ce que elle est capable. Voilà. Salon bazar, j'attrape soif. Voilà. Voilà pour les deux que j'ai trouvés hier chez un Intermarché. Voilà, c'est les deux seuls qu'il y avait. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas. Voilà, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Là, je vais vous laisser. Je vais tourner la vidéo. Enfin, ouais, la vidéo de mes achats du mois de septembre parce que je n'avais pas encore fait. Voilà, et en même temps, il faut que je regarde le sondage de mes lectures. J'ai mis un sondage sur Instagram. Si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas, je vous le mettrai là si je l'oublie pas. Ou sinon, il est dans la barre d'infos, c'est bébé clochette 10, si je dis pas de conneries, sur Insta. Et voilà, comme ça, vous pouvez faire répondre à mon sondage et choisir mes prochaines lectures. Voilà, ben j'ai tout ce que j'ai. J'ai que ça à vous dire. N'hésitez pas à le lire et venir m'en parler si vous l'avez déjà lu ou pas. Enfin, si vous lisez grâce à moi ou pas. Sur ce, je vais vous laisser. Je crois que celui-là, je ne voulais pas montrer. Mais enfin, soit, c'est pas grave. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller boire un coup. Je vais aller continuer mes tâches ménagères et faire la vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain qui est vendredi. Vendredi. Je conclurai le vlog demain soir parce que samedi, je vais au salon du livre à Mons. Voilà, je vais aller voir ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain ou à tantôt. Si j'ai choisi ma lecture, je pourrais peut-être je vous en parlerai demain, ce sera mieux. Je vous fais des gros bisous. Bonjour mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien. Je viens conclure ce vlog que je vais monter à l'instant. On est le lundi 10, vous ai pas pris depuis un moment, mais je vais quand même conclure ce vlog. Je vais juste vous dire mes lectures en cours parce que je vais recommencer un vlog après. Du coup voilà, hier soir j'ai commencé les Minecoy. Je vous en dis pas plus, je dirai dans le prochain vlog. Voilà, je suis qu'à 56. 8 pages, je l'ai fait en écoute et j'ai commencé celle-ci aussi. Voilà, et là j'ai 35 pages, je voudrais bien continuer. Du coup, voilà, là j'ai monté la vidéo, enfin les achats du mois de octobre, les achats du salon du livre. Je fais tout en même temps, je suis fatiguée du salon du livre samedi. C'est pour ça que je vous ai pas pris. J'avais dit que j'avais vlogué. Mais il y avait tellement de monde que je vous ai pas pris du tout. Et du coup, voilà. Mais je viens quand même conclure ce vlog. Où sinon, il n'y aura pas de fin. Sur ce, j'espère que ce vlog vous plaira. Il y aura un peu de fin de septembre. Et de toute façon, vous l'aurez déjà vu. Mais je suis désolée, c'est un peu brouillon. Mais on va recommencer les vlogs correctement. Parce que là, ça ne va plus. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve pour le prochain vlog. Bisous, bisous.